Vous recherchez des écouteurs sans fil, mais vous ne savez pas lesquels choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs écouteurs sans fil qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Ça vous permettra donc d'écouter vos musiques préférées ou d'autres podcasts ou vidéos sans vous embêter avec un fil directement avec le Bluetooth. On va donc voir les produits les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr, vous pourrez commander un des produits présentés ou voir plus d'infos en passant par les liens juste en dessous en description. On va commencer avec le modèle Samsung Buds 2. Donc c'est des écouteurs Bluetooth qui seront pas donnés en termes de prix. Bon, c'est quand même la gamme Samsung Galaxy. Mais ils auront vraiment pas mal d'avantages. Déjà, ils sont super bien notés, à 4,6 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 1800 évaluations. On aura une réduction active du bruit, donc ça peut être mieux pour écouter dans un environnement sonore un peu bruyant. Vous aurez deux microphones en fait qui détectent les bruits ambiants et qui vont directement les bloquer grâce à cette technologie qui va supprimer les bruits de fond. Un design très ergonomique, il pèse à peine 5 grammes hein, par unité, donc ça va bien tenir en place, ça va évidemment pas vous faire mal aux oreilles, etc. On aura un son immersif avec des basses assez puissantes, profondes, des aigus clairs grâce à deux haut-parleurs dynamiques, et vous aurez 6 réglages d'égaliseurs différents pour trouver le son qui vous convient le mieux et rester le mieux immergé dans vos musiques, dans vos écoutes, vos podcasts, etc. Donc c'est un modèle, comme je l'ai dit, qui n'est pas donné. Bon, on peut retrouver effectivement bien moins cher. C'est quand même de la marque, mais sinon on a vraiment des très bons avis. Donc si vous avez un budget relativement élevé, je pense que ça peut être une bonne solution. Ce sera le premier lien dans la description. Je vous présente à présent un modèle plus moins cher, milieu de gamme, on va dire, c'est pas les moins chers du marché non plus, c'est entre les deux. C'est le modèle Bitutos, donc écouteur Bluetooth. On aura 4,6 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 11 000 évaluations, donc c'est vraiment énorme. C'est un produit super populaire et super bien noté. Vous aurez la technologie Bluetooth 5.3, donc il n'y aura aucun problème au niveau du signal, de la connectivité, etc. Un son stéréo immersif, très clair, avec aussi une technologie donc, qui réduit les bruits ambiants, donc c'est toujours pratique. Un couplage très facile, avec une conception ergonomique, toujours des écouteurs très légers, seulement 4 ou 5 grammes, et ce sera résistant à l'eau si jamais vous avez voilà, des éclaboussures ou qu'il pleut dehors simplement. Ou que vous avez de la sueur, il n'y aura pas de souci, c'est quand même fait pour être utilisé en extérieur. La batterie durera entre 6 à 8 heures pour 1,5 heure de charge, 1 heure et demie, donc c'est plutôt pas mal. Et vous aurez le petit boîtier que vous pourrez emmener avec vous et lui qui vous permettra d'avoir 30 heures en plus, car vous pourrez les mettre à l'intérieur pour les charger. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et vous aurez un affichage LED qui vous donnera le pourcentage de batterie restant. Donc voilà, c'est aussi très complet, le prix est très correct, il y a un super rapport qualité-prix, donc un choix aussi vraiment intéressant. Et maintenant, on va terminer avec le modèle Blacksmith écouteur Bluetooth sans fil. Donc là, c'est vraiment un modèle très peu cher. Donc c'est vraiment assez étonnant de voir un prix aussi bas pour des écouteurs sans fil. Donc c'est peut-être difficile à croire, mais en tout cas vous pourrez voir vous-même. Les évaluations en plus sont très positives. On a une moyenne à 4,9 étoiles sur 5 en moyenne hein, sur plus de 13 000 évaluations, donc c'est assez choquant. Même moi j'ai quand même à la limite du mal à y croire, c'est très très rare d'avoir 4,9 étoiles en moyenne. Mais bon, c'est vrai que le rapport qualité-prix a coupé le souffle hein, des écouteurs sans fil pour ce prix-là. Bon, après, je sais pas si le prix montera au fil du temps. À l'heure où j'enregistre, en tout cas, c'est en dessous de 20 euros pour vous le dire clairement. Donc, c'est assez énorme. Et sinon, pour tous les points, bah, c'est assez similaire. Hein. On aura du Bluetooth 5.2, une bonne qualité sonore, même si c'est pas non plus les plus incroyables du marché, avec un affichage LED sur le boîtier. Le système tactile donc, qui vous permettra de mettre en pause, d'augmenter le volume, de ce genre de choses, d'avoir plein de petites fonctions juste en touchant, donc ça va être pratique.
Vous pourrez l'utiliser pour faire du sport, hein, c'est résistant à l'eau, enfin en tout cas à l'humidité. On aura aussi une bonne batterie, donc jusqu'à 30 heures avec le boîtier. Donc voilà, si vous voulez un modèle assez peu cher, et que ce modèle est encore disponible bah, à ce prix-là, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs écouteurs sans fil qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques, cliquez sur les liens en description, ce sera en fonction de l'ordre d'apparition des produits. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.